Le pont est prêt et solide. Vous pouvez passer de l'autre côté. Étranger, je voudrais te prouver combien je te suis reconnaissante. Tu ne me dois rien. Je pense au contraire que je te dois beaucoup. Et peut-être que dès maintenant, je pourrais te rendre ce que je te dois. Est-ce que tu saurais prédire l'avenir? Je vois un dragon. Et toi, tu te battras contre lui. Mais les dragons n'existent plus. Il est énorme. Il appuie ses pattes sur l'Inde et son ventre sur la Chine. De sa gueule grande ouverte, des flammes sortent. Ce sont en réalité des hommes, des Mongols. Et toi, tu auras lutté contre eux, étrangers. Loin d'ici, Gengis Khan, empereur de toute la Mongolie, va mourir. Le bûcher qui détruira son corps est prêt. Parmi les sages, je vois Gatinaï, le plus ancien, et qui fut son fidèle conseiller. Je vois aussi ses trois fils naturels, chacun chef d'une tribu. Tu les connaîtras tous les trois. King Khan, qui veut dire ouragan, sa force est sans pareille. Sayan, dont les flèches ne pardonnent pas. Souzdal, dont chaque coup de fouet est plus terrible que la morsure du serpent. Avant qu'il ne meure, j'ai recueilli les dernières paroles de Gengis Khan. Il m'a dit qu'il voulait la paix à tout prix avec l'Occident. La Mongolie veut avoir des amis à ses frontières. C'est sa dernière volonté et nous nous devons de lui obéir. Mais ses trois fils ne lui obéiront pas. L'esprit de conquête les anime depuis des années. La mort de leur père est au fond de leur cœur une secrète libération. Khan Gris, daigne accueillir dans ton paradis l'âme de Gengis Khan.
Et qu'il soit comme ses ancêtres. C'est une flèche morave. Les hommes blancs ont trahi les accords. Le sage Gatinaï a été fidèle à mon père pendant toute sa vie. Nous devons le venger. Ouais, nous allons tout brûler, détruire et piller pour venger la mort de Gatinaï. Oui, et nous irons jusqu'à la mer. Nous deviendrons les maîtres d'un empire qui englobera le monde. L'or. Les femmes, nous serons les maîtres du monde. Ouais ! J'ai toujours été le préféré de mon père, le grand Gengis Khan. Mon père voulait me le donner pour récompenser mon courage. Il vient des terres lointaines et brûlantes de l'Afrique. Il est entraîné à surprendre ses ennemis. Dans ses griffes vit encore la main de Gengis Khan. Les tribus ont répondu à l'appel que nous avons lancé. C'est un spectacle que notre pauvre père aurait aimé voir. J'en suis pas si sûr que ça, parce que ces derniers mois, sa vue avait bien baissé. Avec ma tribu, moi, je fonce sur la citadelle de Tudela. Avec Sayan, je les attaquerai par derrière. Alors à Tudela, tous les trois, mes frères.
veux les femmes vivantes. Je te reconnais. Tu es Bernardo, le conseiller de la couronne. Tu es venu il y a quelques semaines au camp pour nous proposer la paix. Une paix que tu as foulée aux pieds sans aucun motif, Kinkan. Où est ton maître? Nous l'avons exécuté, Kinkan. Nous avons pris soin de garder sa tête pour toi. Et ses enfants, Bianca de Tudela, et l'héritier du trône, le petit Alessio. Je ne sais rien. Tu parleras. On ne résiste pas longtemps à mes questions. Laquelle de vous est Bianca de Tudela? Vous avez entendu? Répondez! Ne les touche pas! Giova. Parlez ou je vous ferai fouetter à mort! Pourquoi abîmerais-tu d'aussi jolies peaux? Je n'aime pas avoir des esclaves que le foie a marqués. Parce que bien sûr, tu me les donnes. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma douce tigresse. Alors elles sont à moi? Oui, mais d'abord, je veux savoir laquelle est Bianca de Tudela. Je te suggérerais un moyen. Oh non, 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 non. Kinkan, un prisonnier a parlé tout à l'heure. Alessio, le fils du roi, a pu se joindre à un groupe de fuyards. Il s'est enfui. Il faut absolument le rattraper et le tuer. Nous ne devons laisser vivre aucun héritier légitime du trône de Tudela. Ton frère Sayan est déjà sur ses traces. Voudriez bien retrouver votre maison.
Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages les arbres? Et toi, qu'est-ce que tu fais tout seul par ici? On nous a chassés de chez nous. Alessio. 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 Où es-tu? Les Mongols vont faire du mal à Bianca. Ils sont très méchants. Oh, j'aurais dû rester avec elle. Et personne ne peut nous aider. Arrête de pleurer, voyons. Et prouve que tu es un homme courageux. Alessio! Réponds-moi! Ah, te voilà. Viens vite. J'espère que toi et moi, on se retrouvera. Je ne crois pas que tu auras à t'en réjouir. Il a gagné, nous sommes sauvés.
Ah. Alors, tu n'as plus peur maintenant? Non, mais j'ai faim. Ah, on va s'occuper de ça. Mais dans ces poissons, il n'y a plus rien à manger. Rassure-toi, j'avais tout prévu. Donc, ah. On se met à un très grand secret. Amène-les. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ce que tu veux, toi aussi, savoir laquelle de ces filles est Bianca de Tudela. Dix chevaux que tu n'y arrives pas en trois coups. Ah! Laquelle d'entre elles est Bianca de Tudela? Je te conseille de parler, sinon tu mourras. Je te casserai en deux s'il le faut, mais tu parleras. Oh! Mais non, ne sois pas folle. Si tu parles, tu souffriras encore plus que lui. Il arrivera bien à chasser de le torturer. Oh! Oh! C'est une perte de temps, il vaut mieux l'achever. Je suis Bianca de Tudela. Non, c'est pas vrai, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu es pour moi, les autres sont pour mes frères. De quel droit veux-tu décider tout seul? Oui, elle nous appartient à tous les trois. Au meilleur de nous trois. Et le meilleur, c'est moi. Aucun de vous ne peut juger de sa propre valeur, et vous le savez, la loi chez nous veut, et cela depuis toujours, qu'un tournoi désigne le meilleur. Le vainqueur aura Bianca de Tudela, et avec elle la cité, ainsi que les terres. En arrière! Traitement spécial pour la princesse. Oui, c'est moi, Bianca. Ils t'ont pris, toi aussi.
Arthur. Essayez de sauver au moins les terres. Ce n'est pas impossible. En réunissant tous les soldats qui se sont enfuis, et aussi les paysans. Il faudrait pour ça les moyens. Les moyens? Oui, de l'argent, de l'or. Malheureusement, à la mort de ton père, le trésor de Tudela a disparu avec lui. Il n'a jamais voulu se confier à qui que ce soit. Au fond, il a peut-être bien fait. Je sais où il est. Ils peuvent nous épier. Regarde. Regarde là. Il est caché dans le moulin à blé. Sous la meule. Non. Sous les yeux et à la portée de tous. C'est stupéfiant. C'est pourquoi personne n'a jamais réussi à le trouver. Tu seras la reine de Tudela. L'homme que tu attends est arrivé. Ma parole, tes Mongols ont bien failli m'étrangler. Il est difficile de convaincre un Mongol de jouer la comédie quand il s'agit de torturer ou de tuer. Je crois avoir conquis complètement la confiance de Bianca. Quoi que je lui dirai, elle me croira. Je sais enfin où se trouve le trésor de Tudela. Même Gengis Khan aurait aimé avoir ce trésor. Oui, mais lui n'aurait pas eu à le partager. Souviens-toi que tu m'as promis la moitié de ce que nous trouverions. Quand penses-tu que nous pourrons le mettre enfin en lieu sûr? Rien ne presse. Je crois que mes frères se méfient de moi. Autant que je me méfie d'eux. Et alors? Je te dirai quand. L'étranger voudrait parler aux trois fils de Gengis Khan. On ne doit laisser entrer personne dans notre palais sans notre ordre. Et toi, tu l'as conduit ici, en plus de ça. Mais c'est Maciste. Veux-tu répéter le nom que tu viens de dire? Maciste. Nous devons le recevoir. Laisse-le entrer. Va. Il est doué d'une force extraordinaire. Je l'ai vu de mes yeux combattre armé d'un tronc d'arbre 10 fois aussi grand que le plus grand bélier que tu pourrais porter. Je n'en crois rien.
C'est vrai, tous les soldats en ont parlé. Oui, et avec terreur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un sauf-conduit de votre père, le grand Gengis Khan. Je viens vous trouver en ami. Il est authentique. Non, il est faux. En prison. Emmenez-le en prison. J'ai dit emmenez-le en prison. Peut-être fait peur à vous, pas à moi. Bianca. Vous êtes Bianca. Comment sais-tu que je m'appelle Bianca? Qui es-tu? M'assiste. Mon père m'a bien souvent parlé de toi. Que deux fois il a demandé après toi. Mais tu étais en Orient. Personne ne m'en a jamais fait part. Ceux qu'on a envoyés te prévenir ne sont jamais revenus. Mon père disait que si tu avais été à nos côtés, bien des choses ne seraient pas arrivées. Et te voilà. Toi aussi, prisonnier. Oui, et volontairement. Car je voulais vous retrouver. Et sur ce point, j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Tu penses réussir à me libérer? Naturellement. Je l'ai promis à votre frère. Tu l'as vu alors? J'ai vu votre frère et je lui ai parlé. Oh. Ah non. Ne vous inquiétez pas pour moi, mais pour lui. Conduisez-nous au plus vite, chez le roi de Ratislavia. Nous sortirons d'ici vivants. Quand le ferons-nous? Cette nuit, j'ai étudié le moment le plus favorable. Attention. Ne crains rien, je suis seul et sans armes. Bien. Thank you.
Considère-moi comme ton ami, Massiste. C'est moi qui t'ai permis de parler à Bianca de Tudela. Ne crois pas trop au hasard, Massiste. J'ai tout arrangé pour que toi et Bianca soyez voisins. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qui est-ce? N'aie pas peur, Bianca. C'est moi, Osvaldo. J'ai profité du moment où les patrouilles de surveillance sont relevées. Qui t'envoie, Massiste? Massiste, ce traître? Mais que dis-tu? Voyons, tu es fou, Osvaldo. Je l'attendais depuis longtemps. Il a promis de me sauver. Ne crois rien de ce qu'il t'a dit. Cet homme est un mercenaire qui se vend à celui qui le paie le plus. Je ne te crois pas, tais-toi. Tu n'as pas dit à Massiste où se trouve le trésor? Si. Il nous aidera à vaincre les Mongols. Mais enfin, comprends-t-on, Bianca? Maintenant qu'il sait, il cherchera à se débarrasser de toi. Il n'a pas besoin qu'on l'aide pour soulever la meule du moulin blé. Tais-toi. Moi, j'ai confiance en lui. Massiste est d'accord avec un des trois fils de Gengis Khan. En ce moment même, tous deux, ils complotent contre nous. Tu es le seul qui puisse réussir. Tu vas défier mes deux frères et tu les battras. Seulement, tu refuseras de te mesurer avec moi. En échange, je te donnerai de l'or et la liberté. Et si je n'accepte pas? Une femme que tu connais bien pourrait le payer de sa vie. Je participerai à ce tournoi. Que les nobles et puissants fils du grand Gengis Khan ne se disputent loyalement leurs droits sur Bianca de Tudela, les prisonniers chrétiens peuvent se mesurer à eux. Si un chrétien l'emporte, il pourra se substituer selon nos lois à Bianca de Tudela en devenant esclave à sa place et en lui rendant ainsi sa liberté. Je demande que chacun de nous rencontre trois chrétiens à la fois. Ça me semble être juste. Thank you.
je suis vainqueur, vous m'autorisez à prendre la place de Bianca de Tudela? C'est ton droit. Mais il ne vaincra pas. Choisis-toi une arme et combat en homme. Je n'en ai pas besoin. Pour moi, les armes sont mes mains. Maintenant à toi. Vaincu. Libérez Bianca de Tudela. Nous avons décidé, nous devons tenir notre promesse. Tu peux choisir entre ta liberté et celle de cette femme. Je le répète, libérez Bianca de Tudela. Désormais, tu es un esclave. Mettez-lui des chaînes. Selon mon droit, je l'achète, c'est un esclave. Il est à toi. Un esclave enchaîné ne sert à rien. Je veux d'abord qu'il jure fidélité au nom de son Dieu. Les miens et moi-même n'avons qu'une parole. Jure sur ton Dieu que tu obéiras toujours aux ordres de ton maître, que tu ne chercheras ni à fuir, ni à te révolter, et que tu seras pour lui un chien fidèle. Je le jure. Tu n'as pas respecté les accords que nous avions passés. Maintenant, tu es libre. Bianca. Tu vois, ta liberté est la preuve de sa culpabilité. Tu étais l'unique obstacle à l'accomplissement de ses projets. Ne crois pas qu'il t'ait libéré, mais il s'est débarrassé de toi. Tu n'es pas encore persuadé. Tu es trop crédule.
Tu es convaincu qu'il s'est sacrifié pour toi. Au contraire, m'assiste à sacrifier à son avidité. Et son unique but est de s'emparer de ton trésor. Tu crois que c'est le hasard, sans doute, qui fait qu'il se trouve près du moulin à blé? Non, c'est parce qu'il est d'accord avec Souzdal. Voyons, tu as bien entendu Souzdal quand il est venu le chercher. C'est vrai, oui, tu as raison. J'ai entendu sa voix et j'ai vu son ombre dans la cellule de Massiste. J'ai eu peur pour lui. Et alors, tu n'as pas été étonné de leur attitude? Ils n'étaient plus deux ennemis, mais plutôt deux amis. Et aussi deux complices. Alors, si tu te souviens de tout cela, tu dois le haïr. Parce que Massiste est un traître, tu entends? Bianca. Traître. Ton noble geste ne cache en réalité que des desseins infâmes. Mais je sais enfin ce que tu es. Que voulez-vous dire? J'ai donné ma liberté pour vous. Tu as donné ta liberté, mais dans un autre but. Je rends grâce à Dieu que tu n'aies pas réussi à tromper mon père aussi. Vous ne savez plus ce que vous dites. C'est à toi. Tu vas mettre ce bloc de pierre en place tout seul. Et je te conseille de réussir. Sinon, je donnerai l'ordre de tuer les prisonniers. Il faut que tu aies terminé au 9e coup de tambour. Soulevez ça tous ensemble! Allez!
Si Maciste doit succomber, ce sera la main de Gengis Khan qui l'aura châtié. Si par hasard il devait nous échapper, il sera alors inculpé de sacrilège. Nous pourrons ensuite le lier au joug et le conduire loin d'ici, dans une grotte où il mourra seul en paix. C'est une excellente idée. Il ne sera pas seul. Il aura avec lui la faim, la soif et la chaleur. Oui, belle compagnie. Et toi, King Khan, quelle idée as-tu? Aucune. Il a toujours manqué d'imagination. Je crois qu'Alessio pourrait nous créer des difficultés. Ici, les chrétiens disent qu'il est vivant et qu'il s'est réfugié à Ratislavia. Et tant qu'il demeurera vivant, il sera un symbole. Il ne faut pas qu'il reste d'héritier au trône. Mais s'il s'est réfugié aussi loin, comment nous emparer de lui? J'ai exactement l'homme qu'il nous faut, un homme qui sait parler. Un bon comédien, vous verrez. Vous devez savoir à qui je fais allusion. Il doit arriver à persuader une certaine personne qu'il a pu réussir à s'enfuir de tout délai. J'ai enfin réussi à m'enfuir. Je ne pouvais vraiment pas te laisser seul. Thank you.
Ordre de Kingham, elle doit retourner à Tudela. Nous l'emmènerons de force s'il le faut. Je suis libre. Jamais je n'y retournerai. Kingham a donné des ordres précis à son sujet. Et moi? Non, personne n'a parlé de toi. Révolte-toi, Osvaldo. Tu étais là quand ils m'ont dit que j'étais libre. Rappelle-toi. Tu as dit toi-même que j'étais libre. Tu es libre. Tu n'as qu'à faire ce que je te dirai et tu seras sauve. Je n'en supporterai pas une autre. Où est Bianca? Maudite chienne. Elle n'est pas là! Elle n'est pas là! Ah. Bianca est à Tudela. Kingham ne voulait qu'elle soit à lui. Je l'ai sauvée, j'ai pu l'aider à s'enfuir. Je l'ai cachée dans les souterrains. Mais j'ai peur qu'il la découvre. Elle n'a pour moi que du mépris. Au contraire, je sais que Bianca ne vit que dans le seul espoir de te revoir. En emprisonnant à nouveau Bianca, les Mongols ont manqué à leur parole, m'assiste. Et toi, tu es libéré de ton serment. Les Mongols ont abandonné leur campement. Ils ont certainement dû aller se retrancher à l'intérieur de la citadelle de Tudela. Ne nous y fions pas trop. Détruisons le campement mongol.
Pas leur laisser l'avantage d'attaquer les murailles avec leurs machines de guerre. Je vais sortir avec ma cavalerie et je foncerai sur eux quand ils seront rassemblés. Toi, avec la tienne, tu les prendras à revers. Pour éviter qu'ils me voient, je vais être obligé de faire un bien long détour. Tu passeras par le bois. Moi, je resterai ici. Je suis sûr qu'ils vont attaquer la ville. D'accord. Maintenant! Ici, nous sommes en danger. Allons nous réfugier plus loin. Allez-y! Restez les échelles! En avant! Thank you.
Mais moi, j'ai pas peur, vous savez. Le roi ne veut pas que tu t'exposes. Mais moi, qui suis ton ami, je peux te donner la possibilité de te conduire en héros. Je sais où se trouve ta sœur. Et ce sera toi qui la délivrera. Ça marche. Voilà la situation. Là, ce sont les murs. Et là, la ville. Nous sommes ici. La cavalerie mongole est sortie de la ville pour nous attaquer. Maintenant, elle s'est regroupée dans la forêt, prête à nous prendre à revers. Les tours d'assaut sont détruites. Il faut donc empêcher une nouvelle attaque de la cavalerie. Sur deux fronts, nous ne pourrions pas résister. Mais je dois chercher Bianca. Je comprends ton impatience, Massiste. Bianca a dû se cacher certainement dans le palais ou dans les souterrains. Mais les Mongols sont en ce moment trop engagés pour s'en inquiéter. Il n'y a que toi qui puisses accomplir la mission dont je t'ai chargé. Pour cela, il faut absolument que tu restes avec nous. J'accepte. Tout a été préparé. Quand tu donneras le signal, nous irons mettre le feu à la forêt. Ainsi, la cavalerie mongole se trouvera prise au piège entre l'eau et le feu. La forêt brûle. Fuyons par là. Allez! Je ne t'avais pas reconnu. Tu le connais donc? Quelques-uns de ces imbéciles acceptent notre or et trahissent les leurs. C'est un espion alors. Qui nous est les plus utiles? Les espions sont également des traîtres, je le sais. Viens.
C'est un piège. Malédiction. J'ai respecté tous les engagements pris, Sayan. Et je saurai tenir les miens. C'est le moment d'agir rapidement. Mes frères se battent au loin et seuls mes soldats sont restés ici. Il me faudrait au moins 20 de tes hommes. Tu les auras. Tu es un traître! Un traître! Un traître! Lâche-moi! Tu n'es qu'un lâche. Tu entends? Allons. Laisse-moi!
C'est ainsi que finissent les traîtres. Bianca! 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 Pardonne-moi d'avoir douté de toi, toi qui t'es montré le plus loyal des hommes.